Le titre est en un sens avec les mots de tout le monde. Hein. Faire entendre ce que l'on construit, que l'on entend comme. Voilà, je pars de là, c'est une formulation très lente, hein, avec les mots de tout le monde. Alors, je formule ainsi la question que je vais exposer. Inclassable, je partirai de Wittgenstein dont on a parlé ce matin. Wittgenstein est un philosophe déroutant dont la connaissance de l'œuvre a pris beaucoup d'années. La physionomie de sa pensée a évolué au long de la découverte progressive de ses écrits après la publication du Tractatus qui marqua si fort le cercle de Vienne. Mais Wittgenstein échappait au cercle de Vienne à bien des égards. Ce que les musiciens qui se sont intéressés à Wittgenstein n'ont pas toujours vu. Ainsi, Kenneth Wright associe l'auteur du traité au cercle de Vienne. Alors, leur rencontre, oui, est la philosophie analytique, ce qu'on appelle la philosophie analytique, qui est très compliquée, très diverse. Hein. Et Schoenberg aussi, dit-il, hein, soutient-il. Alors, c'est la thèse forte de ce doctorat, qui date quand même de 2001. Mais Schoenberg et Wittgenstein ont en commun un formalisme non radical, mais aussi une approche qu'on appelle relativiste. Le mot relativiste n'est pas excellent, mais enfin, si on le comprend par opposition à la position d'universaux, c'est un peu plus, disons, on comprend un peu mieux. L'un dans l'harmonie et l'autre au niveau du langage. Or, je concentre mon attention sur le Wittgenstein postérieur au Tractatus, compte tenu évidemment du Tractatus, et sur sa critique interne d'un certain formalisme qui ne permet justement pas de l'assimiler au positivisme logique. Est-ce que je peux avoir mon stylo ? Parce que comme ça, je lis avec un stylo. Il est là. Merci. Alors, quel rôle joue la musique ? Pas seulement dans le Tractatus, ni dans sa philosophie dite seconde, mais aussi dans la philosophie des aspects, qui est la philosophie dite dernière. Bon, ça va s'éclairer. On assume ici l'écart qui étonne tout le monde, hein, entre les goûts musicaux de Wittgenstein, qui disait en 29 que son Kultur idéal était Schumann, et pourquoi pas, et sa méthodologie formelle de construction que Aldo Gargani a jugée féconde. Pour ma part, et parce que je suis de la génération des lecteurs de l'œuvre tardive de Wittgenstein, je pense que la critique interne du formalisme qu'il s'est adressé est ce miroir que Wittgenstein tend au cercle de Vienne pour qu'il comprenne que, quoique lui, Wittgenstein, ait été tenu au début pour le représentant de son mouvement, il n'était pas des leurs. La musique s'associe à ce geste, qui est cet acte autre, comme dit Badiou, qu'on cherche à comprendre. On va voir quel geste ici, je l'interprète un peu différemment. Il y a d'une part un lien d'affinité avec le langage. Un thème, dit Wittgenstein, est comme une proposition articulée, 341 du Tractatus, mais aussi l'élaboration progressive d'un argument anti-analytique au sein de la philosophie de l'analyse à partir du cas de la musique. Car bien loin que la musique soit traitée en mode analytique, sous prétexte d'une analogie avec le langage, ce qui se passe avec Wittgenstein est que c'est la musique qui, progressivement, met ce modèle à l'épreuve. Il en résulte non pas une philosophie anti-analytique, ça, on irait trop vite à le conclure. Ça pourrait satisfaire quelques-uns, mais ça serait une pseudo-satisfaction. Mais un approfondissement de l'analyse en deux temps. D'une part, sous la forme d'un geste appelé le fameux rejet de l'échelle. Rejet de l'échelle, je vous lis, parce qu'on parle de rejet de l'échelle à propos de la l'avant-dernière proposition du Tractatus 6.54 qui dit ceci. L'élucidation, qu'est-ce que c'est ? Quiconque me comprend reconnaît, après les avoir utilisés comme des degrés d'une échelle,
et rejeté celle-ci, l'échelle, que les propositions du traité, du tractatus, sont dépourvues de sens. Et plus tard, en 30, il reprendra cette image de façon plus radicale d'ailleurs. Ce geste, donc appelé rejet de l'échelle, ce qui est très étonnant, c'est que le musicologue Karl Dallhaus reprend cette Gleichnis, cette image. Dans son Schoenberg, il y renvoie pour dire que chez Schoenberg, il y a le même mouvement à la fois d'une forme recherchée et d'une distinction d'avec les schémas notationnels ou le formalisme externe. Donc ce qui est rejeté, si vous voulez, c'est tout le discours, le discours incluant un formalisme externe, et puis au profit donc de cette forme que Schoenberg visait, et Wittgenstein aussi. Bon, alors il est très étonnant que Karl Dallhaus cite le rejet de l'échelle 654 du Tractatus, à l'appui donc de ce qu'il a à dire de son propos sur Schoenberg. Le deuxième moment est anti-réductionniste, il se dessine dans la deuxième phase de la pensée de Wittgenstein, où la musique est dite requérir une compréhension sur un mode réfractaire à l'analyse logique de la signification en ses éléments, celle qui est justement exposée dans le Tractatus. C'est un point d'autocritique. La musique ignore la compréhension définie comme possibilité de remplacer une phrase par une autre, donc c'est le fameux passage qu'on a cité ce matin, mais pas la compréhension pour autant, si on la saisit comme excluant le principe même de cette traduction, de cette paraphrasabilité. La musique devient alors, du point de vue de cette compréhension, au second sens, le paradigme de ce qui fait échec à l'analyse, à la compréhension analytique. Les recherches philosophiques 531-532, puisque c'est le passage sur lequel je m'appuie, appellent à l'expression, et non à la saisie, d'une chose même, dites par deux énoncés qui seraient dits pour cette raison-là équivalents du point de vue de l'identité de la signification. Elle reste intransitive, on n'exprime pas quelque chose. La musique exprime. L'important ici est que c'est à ce point de résistance, donc, à sa compréhension en mode analytique, que la musique voit son lien avec le langage, non pas rompu, mais est un lien qui n'est pas d'identité, évidemment. L'analogie, c'est tout le contraire de l'identité. C'est précisément ce qu'on ne peut pas identifier, qu'on analogise. Voit son lien avec le langage réévalué à l'aune de la méthode comparative des jeux de phrases, on dit jeux de langage, bon, du point de vue productif des ressemblances de famille. Parce qu'on produit les ressemblances de famille, on ne les trouve pas déjà disponibles. Les formes de représentation donc de la musique cessant d'être logiquement intertraductibles, c'était le schéma du Tractatus, la musique finit par tourner le dos au grand principe leibnizien dont Frege s'était souvenu en déclarant substituables entre elles des entités ayant en commun la même pensée que. Je propose donc un petit coup d'œil en arrière sur les propositions 4014, 4041, 4015, qui sont au cœur du traité, où les questions de musique, où le principe analytique vaut encore pleinement, où la traduction, où le remplacement, où la paraphrasabilité est pleinement assumée. Une similarité interne relie différentes formes projetées, le mot projeté a été prononcé ce matin aussi, à Bildungstheorie de la musique, mot projeté à partir d'une même symphonie. Wittgenstein imagine cette situation. La partition, le micro-sillon, les ondes sonores, une performance orchestrale, et même, dit-il, c'est ça que je n'avais pas lu dans un premier temps, comme quoi on lit toujours des choses qu'on attend de lire et non pas ce qui est sous votre nez, l'idée musicale elle-même est projetée. Ça, c'est quelque chose. Toutes ces formes projetées, comme en géométrie projective, qui est ici une source d'illustration, ont en commun la dite symphonie, sans que celle-ci ait à être définie, car on ne posera pas la question de savoir ce qui doit être
hein, de ce qui doit être pour que puisse être le cas. Hein. On ne peut pas remonter du cas au devoir-être, à la chose qui doit être pour que puisse être ce qui est le cas. Hein. On ne remonte pas vers le haut. Hein. Bon, donc la projection, c'est de haut en bas, c'est pas de bas en haut, c'est pas le mouvement de la représentation expressive de ce qui doit être pour que puisse être le cas, c'est la projection de haut en bas. Ça, tant qu'on n'aura pas compris ça, on n'aura pas compris le tractatus. Et donc, ce qui est en haut, on ne cherche pas à savoir en quoi ça consiste. Les règles conventionnelles permettent de traduire l'une dans l'autre, donc ces formes de représentation entre lesquelles il se trouve une similarité interne autorisant la fameuse traduction à laquelle donc Wittgenstein plus tard renoncera. Une similarité interne permet de dériver ableiten la symphonie de la partition, ce qui permet de dériver la symphonie du disque, etc. Dérivation. Toutes ces formes hétérogènes par leur ancrage, parce qu'aucune ne ressemble à l'autre, sont sur le même plan du projeté, y compris, comme je l'ai dit tout à l'heure, l'idée musicale. La théorie qu'il explique est celle du langage selon le tractatus. On ne définira donc pas, ce que je viens de dire tout à l'heure, la symphonie, car la possibilité de sa représentation logique, Abbildung, de haut en bas, par toutes ces formes projetées, n'est pas elle-même représentable. On ne dira pas en quoi cette forme de représentation consiste pour rendre la représentation de ce qui est représenté possible. C'est ce qui est dit de la logique du langage. C'est que l'on résume par l'absence, cette fameuse thèse qu'on répète ad nauseam, hein, de l'absence de métalangage. Le contenu formel en musique. Donc, quatrième point, la thèse de l'autonomie du musical liée au fait que la musique ne dit rien, elle exprime, transitivement parlant, donc elle ne dit rien, s'entend dans le prolongement d'Anslick, historien de la musique viennois du milieu du 19e. Ce critique de la musique, à la plume très acérée, grand pourfendeur de la musique wagnérienne, est le premier à avoir considéré que, loin d'être sentimental, le contenu musical est forme. Forme, contenu, contenu, forme. Ça ne veut pas dire que le sentiment n'est rien. Hein. Il ne faut pas en faire un anti-sentimentaliste pour autant. Parfois, on va un peu vite en besogne aussi, là. La forme est non pas une ligne tracée autour d'un vide, une arabesque, mais un tableau, forme pleine et manifestée, de l'idée musicale, dit-il, autotélique. Cette thèse musicale, appelée formaliste, mais pas au sens logique, la logique n'existe pas encore sous sa forme moderne, n'a pas qu'un intérêt historique. Non seulement Wittgenstein pense la musique dans son prolongement, et là il y a des travaux, des archives, des documentations qui le montrent, c'est pas difficile à conclure, mais elle anticipe la notion épistémologique de contenu formel. En effet, en remontant aux sources anslickiennes de l'autonomie du musical pour Wittgenstein, j'ai compris, c'est un peu l'objet de mon livre, entre autres, hein, que le contenu formel avait, au fond, à l'origine, un sens esthético-musical. Bien avant que l'épistémologue Gilles Granger ne s'avise de parler de contenu formel, en lecteur du linguiste danois Jemsleff, mais aussi pour faire comprendre son importance dans les mathématiques et la musique. Donc au fond, si vous voulez, contenu formel retourne à ses propres sources, hein, sans que Granger peut-être ne le mesure vraiment. C'est le dernier chapitre de Formes, Opérations, Objets. Objets, Opérations. Alors, par hasard, hein, je relisais La vie des formes d'Henri Faucillon, que nous lisions à l'époque, hein, qui est Vrin 1943, et qu'est-ce que je vois? Je tombe sur l'expression de contenu formel. Hein. Contenu formel, pour parler de quoi? De la forme en art. Le contenu formel, sic, hein, c'est vraiment son expression, c'est pas contenu comme forme, forme comme contenu, non, c'est contenu formel, l'expression de Granger. Bon, le contenu formel, la partie liée, dit-il, avec la vie des formes, hein, et Faucillon le dit pour les arts visuels,
Mais il est tout à fait prêt à accorder que ça vaille pour le langage et la musique. Bon, il ne développe pas. Une indication que Granger a bien pu être marquée sans le savoir, peut-être en l'oubliant, par cet emploi, et qu'il caractérise comme étant la vie propre à l'acte de penser, le fait que, et je le cite, « les signes, loin de présenter des objets à saisir, des objets déjà là, nous montrent ce qu'ils font, montrer ce qu'ils font. » Pour la connaissance philosophique, page 203. « Penser n'est donc pas désigner des objets par des concepts. » Non, tout à fait fondamental, et c'est très Wittgensteinien. Étymologiquement, ces considérations conduisent à marquer l'importance des opérations pour constituer ce que Granger appelle des structures d'objets, des objets réseaux en quelque sorte. Cette question grangérienne qui intéresse Horatio et moi-même a confirmé, pour mon plus grand profit, les réflexions que nous avons ensuite développées sur plusieurs années qui se poursuivent encore. L'allégorie du complexe de Pygmalion, c'est l'expression de Granger, c'est un texte de 1947, extrêmement intéressant, qui constitue le premier chapitre de Forme, opération, objet de Granger, qui a été mis là, hein, 1947, vraiment le premier texte de sa future réflexion d'épistémologue, signe ce besoin d'une médiation par un symbolisme. Alors ça m'a fait beaucoup travailler. Saisi dans le marbre, séparément de la forme, Galatée, c'est le nom de la sculpture de Pygmalion, en effet ignore le tremblement imperceptible qui indique qu'elle vit. Or, vivre et vivre, dans la donnée inséparable de la forme et de la matière, par la médiation active d'un système de signes, avant même toute séparation théorique entre forme et matière. Car écrit de son côté Wittgenstein, et c'est une grande proposition du Tractatus qui donne beaucoup à réfléchir et bien au-delà du Tractatus et puis des autocritiques que Wittgenstein lui a formulées, il est humainement impossible de tirer la forme du langage directement, unmittelbar, du langage tel qu'il est, c'est-à-dire un complexe, un organisme compliqué, enchevêtré, etc., etc., dans lequel on n'y voit pas clair du tout. Hein. Il est humainement impossible de tirer la forme du langage directement. Donc c'est cette idée que tu as toi-même évoquée, qui est une fausse piste, d'essayer d'extraire directement la forme de la matière. 4.002 du Tractatus, c'est très important. C'est la forme qui témoigne qu'elle vit, dit Faucillon, et cette vie qui n'est pas ajoutée de l'extérieur à la matière, est celle d'une logique interne, d'une praxis de signification. C'est la formule de Granger, et on trouve une formulation tout à fait équivalente chez le musicologue Boris de Schlötzer. Bon, il y a plein d'autres exemples. Lui-même, Wittgenstein, a recherché cette vie, la vie du langage. Le mot « vie » est un mot terrible parce qu'il est à la fois tout à fait important et en même temps il faut un terrible cheminement pour arriver à en dire quelque chose d'un peu à la fois rigoureux et sensé. Qu'il se reproche lui-même d'avoir d'ailleurs manqué dans le Tractatus, hein, bien qu'il ait déclaré dans la proposition 4.0.311 que la proposition est un tableau vivant d'un état de choses, Lebendes Bild. Bon, ben il n'est pas arrivé. Hein. Parce que pour que la proposition soit vivante, il fallait qu'il abandonne sa théorie de l'image logique du Tractatus. Donc il était coincé. Bon. Et il a fallu donc qu'il se tourne, et ça c'est à partir du cahier bleu, où c'est clair, vers l'usage, car c'est lui et non pas la pensée au sens de Frege, là il a dû s'expliquer avec Frege, bon c'est très intéressant, qui rend la proposition vivante. Et ça c'est une réponse à Frege, parce que Frege aussi a cherché la vie des signes. Hein. C'est une obsession des logiciens, la vie des signes, que le symbolisme soit vivant, parce qu'un symbolisme mécanisé n'est pas un symbolisme vivant. Et des logiciens parlent beaucoup de vie. J'ai fait tout un travail là-dessus, c'est très amusant. Bon,
sur le chemin des aspects. Ce que Aldo Gargani appelle la dissolution de l'analyticité. Chapitre 7 de Musica Parola Gesto 2008, je ne sais pas si je prononce bien. Si maintenant, cet ébranlement du parallèle analytique, langage et musique. Mais il dit plus. Cette dissolution peut en effet aller jusqu'à fragiliser le propositionnalisme de départ, c'est-à-dire, même rectifié dans le sens de la vie, l'idée d'une sémantique de la phrase articulée dont la musique serait le meilleur paradigme. De là, les aspects dans lesquels je vois l'héritage des qualia qui se rattachent à l'idée variationnelle des manières qu'a une séquence sonore en dessous du seuil d'une entité sémantique de se manifester à l'oreille d'un sujet qui l'entend comme. Wittgenstein développe cette sensibilité à l'aspect dans sa philosophie dite dernière. De entendre un morceau comme une valse, comme une ouverture, comme une marche, etc., on peut passer à entendre ses rendus sonores, mais aussi ses sons comme. Wittgenstein avait l'oreille tendue vers l'exécution de l'interprète. Et sans doute s'intéressait-il à la partition comme Darstellungsform, comme forme de présentation projetée de ce point de vue auditif, échappant ainsi au mythe adornien de la signification musicale ineffablement contenue dans la partition avant qu'un interprète ne la fasse entendre. Les développements de Max Pattison là-dessus qui sont très intéressants. Entendre les sons comme, et cela faudrait-il ajouter avec les moyens dont on dispose, qui font aussi contexte, c'est le mot-clé de Wittgenstein, ce qui lui permet d'ailleurs de dépasser son kultur idéal éventuellement. Pourquoi pas aujourd'hui ces composantes de sons non audibles à l'oreille, nues, à même le symbolisme articulatoire. De tels traits nous entraînent hors du cadre de ce à quoi Granger renvoie encore, qu'il appelle l'énoncé complet. Wittgenstein a pu penser ce franchissement qui fait violence à sa sémantique de la phrase. C'est ça qui me fascine chez Wittgenstein, c'est que ce qu'il a dit va au-delà de ce, qu'il a, de ce à quoi il pouvait se raccrocher étant donné son culture idéale. C'est pourquoi la référence à un centre de gravité sémantique tel que le contenu conceptuel, noyau de sens chez Frege, donne presque le vertige si l'on songe à Schoenberg que Wittgenstein ne prisait guère. Les aspects sont des résonances liées à l'application d'un symbole dans un milieu, comme les harmoniques éloignées chez Schoenberg peuvent retentir quand on frappe une note sur un clavier. C'est un point que Kenneth Wright relève qui rapproche le philosophe et l'écoute active du compositeur. Du coup, une oreille subjective, qui n'est pas un sujet, est réintroduite, mais comme un pôle d'écoute auquel est attribué, dans une grammaire, un entendre comme, y compris au niveau des microformes, s'il a une technique ou s'il est une technique pour les faire entendre. À ce point, ce n'est plus d'une analogie que nous avons besoin, mais d'une praxis d'application. Le lien vague avec la culture ne suffit pas pour en apprécier toute la force d'émergence. Sauf à rendre physionomique la signification en soulignant les manières que nous avons de l'entendre dans un milieu immittel, toujours important cette notion de milieu, aux besoins appareillés, au détriment d'un quelque chose de dit. Wittgenstein n'est pas intéressé par ce qu'on dit, il est intéressé par la manière dont on le dit. Fiche, paragraphe 173. Et il s'agit de phénomènes émergents. L'évaluation des qualia requiert une constellation de traits qui n'a plus grand-chose à voir avec les réquisites d'une logique déductive. C'est là que je voudrais donc insister. La linéarité de la transition d'un troisième à partir de prémices est mise hors jeu. Wittgenstein peut alors parler de scintillement. C'est la synopsis qui domine. Cette notion de synopsis, elle est compliquée, pas évidente du tout, mais elle contient une critique de la logique déductive. Comme la synopsis, donc grammaticale, est un déploiement quasi-spectral de traits.
qui s'allument, qui s'éteignent, hein, ça fait ça. Cela, donc, au détriment d'une logique du raisonnement inférentiel, déductif. Donc il y a un mouvement anti-déductif chez Wittgenstein que je vais un tout petit peu préciser. Quelqu'un qui a mesuré cela est un mathématicien, comme par hasard. Très proche de Wittgenstein, il fut quasiment son scribe. Mal lui en a pris d'ailleurs, parce qu'il s'est fait taper sur les doigts par Wittgenstein lui-même, s'entend. Dès les années 30, Friedrich Weissmann, donc, puisqu'il s'agit de lui, a le premier à dénoncer cette pathologie d'être fasciné, dit-il, par la fatalité de la déduction, le mousse de l'inférence logique, le doigt de l'inférence logique, auquel s'attache déjà Wittgenstein, hein, puisque c'est tout l'esprit nécessitariste du Tractatus contre lequel Wittgenstein se rebelle en réalité. Reconnaître quelque chose dans un contexte autre devient le fondement de la saisie d'une structure de signification qui tient plus d'un percept symbolique que d'une dérivation logique. Ce quelque chose est d'emblée de l'autre et non, comme en musique, dit Wittgenstein, un thème identique qui varie. Remarque Mélée, 1946. Le même ne varie pas, seul du variant varie. On a évoqué ça ce matin. Weissmann applique ce voir comme à l'écriture du symbolisme mathématique pour l'invention d'opérateurs nouveaux. Pour penser cette action, il faut se débarrasser du préjugé que les caractères d'un concept sont les propriétés des choses. Ça, c'est un point très important qui apparaît avec Bolzano. Et nous le devons à Joël Proust d'avoir exposé dans un magnifique livre qui s'appelle « Question de forme » cette rupture, hein, entre les propriétés des choses et les caractères du concept. C'est fondamental en philosophie. Et pas seulement en philosophie. Les symboles mathématiques sont dits pour cette raison actifs en écho aux constructions actives du logicien Brouwer, dont s'est inspiré aussi Hermann Weyl. Ainsi, la barre de Schaeffer a une action, cette barre-là, hein, qu'on ne peut pas conjoindre, on n'a pas la conjonction de P et Q, par exemple. Ainsi, la barre de Schaeffer a une action qui est celle de l'imagination symbolique, d'un nouvel opérateur introduisant de nouvelles opérations logiques. D'où, s'agissant de la fonction trait, the stroke function, hein, la fonction trait, le rapprochement intéressant entre le constructionnisme mathématique et la musique. Alors, de l'essence de la notation à une diagrammatique du symbolisme, donc en référence à Gargani, vers une dimension opératoire. On n'écrit pas une pensée, comme si les symboles incorporaient une activité mentale. Ça, c'est une réflexion de Hans Sluga, grand spécialiste Frege, qui a bien lu également Wittgenstein, pour dire que opérer avec des signes, c'est tout à fait différent. Opérer avec des signes pour produire une pensée, et non pas écrire une pensée dans des symboles qui en seraient directement le corps. Le parallèle avec les mathématiques, le caractère notationnel déjà mis en relief dans les propositions centrales du Tractatus, le thème de l'essence de la notation, l'efficience perceptuelle des signes ou caractère des concepts dont la méthode descriptive doit ressaisir l'usage et la portée à travers des jeux qui font varier les structures, toujours plus à distance de l'idée reçue et discutable d'un contenu conceptuel de sens, d'un noyau de sens, idée frégéenne, tout cela incline à remettre en chantier non ce qu'il en est de la musique, mais l'idée d'une certaine graphologie, comme l'a appelé Max Black dans son commentaire du Tractatus, graphologie ou le graphème, qui est le symbole que l'on voit, hein, qui a une efficience du fait d'être vu par évidemment d'un regard instruit de logicien qui voit le symbole, porté donc par des signes, hein. Ce que dit Max Black dit déjà des matrices de vérité dans le Tractatus. Des signes pour des structures d'opération, qu'il s'agisse de la lecture de caractères écrits du langage
ou de symboles de son dans la musique. Est ainsi commun aux mathématiques et à la musique le fait de donner une expression aux relations internes exprimées. Aldo Gargani, que je viens de citer, est venu parler ici il y a quelques années. Il est décédé entre-temps. Et il a hasardé une thèse diagrammatique, mais ça faisait déjà longtemps, hein, dès 86 dans son article dans la Revue Sud, pour situer l'approche très singulière de Wittgenstein dans ce livre que j'ai cité. La diagrammatisation du symbolisme, comme il l'a dit ici, est fondamentale. Je crois que c'était en 2006 qu'il était venu parler dans Mamufi. Loin de constituer une conception déterministe de la logique, elle instruit un dynamisme de l'écriture par le dessin du symbole à la main, avec cette dimension active d'une force, celle qui lui fait parler d'un tenseur, et qui vaut pour les mathématiques comme pour la musique. La vision instruite du symbole, sa lecture, est déterminante. Il est possible que Weismann, dans les mêmes années, ou Kuhn, découvrait les aspects, c'est développé par la Gestalt-théorie, ça c'est les années 40, hein, est exploité la théorie des aspects au profit des mathématiques à l'écriture desquelles il s'intéressait pour proposer une conception micrologique de l'invention plus proche des arts. Alors, je vous renvoie, je l'ai apporté ici d'ailleurs, un article qui s'appelle Language Strata, que nous avons traduit, dans un numéro de nos cahiers de philosophie du langage, quelque part je l'ai, où l'on trouve donc sa définition de son intérêt micrologique pour le langage, mais aussi les mathématiques, et une certaine conception de la logique. Je laisse cela aux mathématiciens, je crois que c'est extrêmement riche, mais là, j'arrive au seuil de choses que je ne maîtriserai pas suffisamment pour en parler. L'important, c'est que l'application, et là, le mot application est un mot fort, hein, c'est Anwendung, c'est les arts appliqués à Vienne, c'est la force de l'application dans les techniques, c'est l'application mathématique d'un symbole, qui est aussi un aspect de l'usage, c'est tout ça, l'application, et ce n'est pas des mots philosophiques habituels, ce sont des mots qui viennent de l'extérieur à la philosophie, déjà dès la fin du 19e, en Autriche, hein. En Autriche, enfin, je veux dire surtout des gens comme Wittgenstein qui avaient travaillé avec des physiciens, des ingénieurs, des gens de ces domaines-là. Hein. Ce n'est pas du vocabulaire venu de la philosophie, vocabulaire mou, plastique, ou tout ce que vous voulez. Ce sont des expressions extérieures au champ de la philosophie. La philosophie a été, et Wittgenstein en est un témoin, marqué, frappé par l'emploi d'un vocabulaire venant des sciences physiques de la fin du 19e, l'épistémologie de la physique et puis aussi vocabulaire d'ingénieur. Donc c'est très important, très intéressant d'ailleurs, je trouve. Donc l'application crée de nouveaux aspects pour des nouvelles opérations qui ne seraient pas inférentielles. La découverte réside dans la vision autre de formules lues dans un cadre différent, et ces vues intéressent l'aspect particulier de la conception du notationnel chez Wittgenstein, qui nous éloigne beaucoup, et pour une ancienne platonisante, ça a son importance, de la conception platonicienne d'un biblion en psyché, hein, d'un livre dans l'âme, d'une écriture psychique, si vous voulez. Ce n'est ni bien ni mal. Hein, c'est simplement ce que j'appelle, moi, qui me fascine évidemment, le caractère non grec de Wittgenstein, mais je ne dirais pas pour autant anti-philosophique. Est-ce que j'ai encore le temps ou... Oui. Bon. Alors, maintenant, construire un entendre comme, à distance d'un donné à entendre, autre percée. Ce qui va se profiler est non seulement la mise en crise du formalisme, sur fond duquel le contenu formel s'est détaché, mais l'anti-substantialisme de la conception du son conduisant à valoriser les aspects ou qualités d'un entendre comme plutôt que d'un objet son comme donné. Il y a un mythe du donné en musique
qui fait écho au mythe du donné en philosophie. Bon, c'est une question brûlante en ce moment, le mythe du donné. C'est le cas de la référence, la référence de Pierre Schaeffer dans son traité des objets musicaux à l'objet son réduit, quand il invoque l'époque husserlienne dans logique formelle, logique transcendantale. Et loin d'être un donné à entendre, l'objet son est une construction qui requiert une méthode. Là, j'ai appris ça aussi à travers mes contacts avec des compositeurs. Je comprends, il a fallu que je m'en rende compte de près, si vous voulez, en voyant les gens travailler, comme je pouvais les voir. Un caractère en faisceau se dégage alors, comme le dit Jean Molineau, qui conduit à faire désormais droit à du non formé, qui, s'il est conceptuellement silencieux, n'en est pas pour autant ineffable. Les manières d'être des sons, qui sont, selon l'expression de Goodman, des manières de faire, ne flottent pas au-dessus du vide. La méthode de Goodman est pour cette raison de construire, sans engagement ontologique, des concrétas à partir des qualia. Alors, qualia, c'est-à-dire des couleurs, des nuances auditives, même le vocabulaire de la douleur, etc. Leur traitement relève, pour Goodman, qui est un nominaliste, du calcul des individus. Il est bien entendu que les qualia n'existent pas ni ne subsistent. Le croire serait aussi faux que de fétichiser le son comme essence sonore donnée. Deux qualia diffèrent, qui sont entendus, donnent un troisième qualé et se perdent dans leur fusion en un troisième qualé dont elles ont disparu et qui est encore autre chose. Les qualia se sont évaporées, elles sont fugaces. Remarquons que c'est d'ailleurs bien le sort des aspects selon Wittgenstein, raison pour laquelle je serais assez favorable. Ce serait peut-être plus de travail que je n'en ai fait pour arriver à le dire de manière complètement justifiée, que les aspects sont émergents chez Wittgenstein. La voie de la modélisation s'ouvre alors, comme en science, car il faut bien exprimer de manière objective les relations qualitatives. Relations qualitatives que l'on peut symboliser donc en relations fonctionnel. Une priorité est reconnue à l'opératoire dans l'ordre de la composition. Si le monde comme donné naturel est désormais perdu, c'est une expression de Gérard Genette, une critique, l'objet comme construction peut apparaître dans un univers qu'il inclut en tant que pôle d'attribution d'aspects qui ne sont pas des propriétés des choses son, justement, mais des formes de qualia sonores. Alors, le 11e point, quand le compositeur va plus loin que l'épistémologue. Je vais essayer d'aller un peu plus vite, je vais peut-être sauter le point suivant. Hugues Dufour, qui est ici, décrit ce mouvement comme passage de qualia perçu au qualia conçu dans Ma thésis et subjectivité, page 379. La formulation qu'il adopte pour caractériser ainsi la vie d'un son dont on construit les qualités par une certaine mathématique de la qualité, en vue de cette modélisation, ressemble fort à celle de Granger parlant de l'objectivation de la qualité dans la science en vue d'une science de l'homme. Pour la connaissance philosophique, page 120. Mais Granger recule, en réalité, devant la quantification de la qualité. Enfin, il hésite. Recul, c'est peut-être le mot, est un peu fort. Si objectiver la qualité n'est pas revenir à son essentialisation, elle exige un passage du vécu à la qualité comme forme dans un univers de structure. C'est ce que dit Granger. La formule est très mesurée, en réalité. Toutefois, selon moi, on peut me tromper, il me semble que le musicien va plus loin que l'épistémologue. Dans ce passage à l'objectivation, la qualité n'est plus opposée à la quantité. Car s'agissant du style opératoire, à savoir de faire entendre ce que l'on construit, que l'on entend comme, les qualia ne sont dès lors ni à rapporter à des choses, c'est bien entendu, ni même à adosser
a des qualités premières, selon la tradition lockienne, mais l'expression quantifiée, comme dit Hugues Dufour, d'une dynamique fonctionnelle. Là, je cite Gargani qui va dans le même sens. Une couleur n'est plus alors le concept descriptif d'une chose, mais le nom donné à la valeur d'une fonction spécifiée par des valeurs numériques. Dans l'article de 86 qui compare justement la méthodologie formelle de construction des phrases chez Wittgenstein et Schoenberg dans la revue Sud. En même temps, on peut se demander s'il n'y a pas aujourd'hui une propension inverse, ça c'est ma question, vers l'écoute sensible de ce qui justement était estimé inaudible, à savoir cette fameuse vibration d'abord reléguée au nombre des phénomènes réfractaires à l'objectivation. Par exemple, pour moi, Giacinto Scelsi a cherché, comme il dit, à composer la vibration en découpant en quelque sorte dans le continu, dans l'amorphe du son continu. Tout dépend donc de ce que l'on comprend par excès de matière. Donc c'est la dernière partie. L'excès de matière est une expression de Granger dans Langage et épistémologie, page 115. Une chance est donnée à la composition peut-être de retourner la formulation en prêtant voix à un excès de matière non utilisé par le codage linguistique, par où déborde l'exprimé dans les signes qui renvoient aux expériences. Cet excès de matière, pour Granger, est un peu quelque chose comme le reste non intégré que la composition échoue à rationaliser d'un continuum non analysé. Il fait la chose opaque de la musique, de la poésie sans doute aussi, intégrant une part d'incompréhensible avec lequel opère le compositeur, l'écrivain et même le traducteur. Humboldt le dit nettement, c'est un traducteur de l'Agamemnon d'Eschyle, et il dit bien qu'on traduit avec de l'opaque, avec du non compréhensible. Or, et c'est une question de perspective, au lieu de l'envisager comme un échec du point de vue de la rationalisation, on peut au contraire y voir une fonction positive d'attrait motivant la modélisation dans la recherche musicale en ce qui concerne la perception des phénomènes acoustiques, la synthèse, etc. Le son, sa dynamique, offre tout le contraire d'un matériau maîtrisable, comme le pensait ou le voulait Schoenberg. Plus la rationalité de son traitement avance, plus réfractaire ou indomptable il apparaît dans des formes qui résistent à l'analyse. Ce n'est pas une raison pour y renoncer. Sans cette dimension obscure du son, la modélisation n'aurait guère de légitimité. Et Hugues Dufour semble pointer, ça m'a frappé, dans cette direction, à la fin de ma thèse et subjectivité, la musique et cet affrontement perpétuel au mouvant, à l'informe. Il est donc très différent de voir avec Granger, qui sur ce point est resté aristotélicien, la matière, le matériau sans forme est impensable. Ça reste un impensable, un inconcevable. Dans l'excès de matière. Donc l'excès de matière, un raté de la rationalisation. Ou d'en faire, comme le musicien, au contraire, une ressource. Entre ces deux attitudes, il y a une forte opposition qui ne permet pas de considérer comme semblables leurs attitudes respectives vis-à-vis de la science, du philosophe et du compositeur. Et c'est donc cette différence vis-à-vis de la science qui l'incomberait peut-être au philosophe de thématiser. Je ne sais pas. La rationalisation n'a pas le même sens pour le philosophe qui tient l'amorphe pour conceptuellement imprésentable, et se passe de modélisation d'ailleurs, et pour le musicien, pour qui le contenu ne se maintient pas de façon stable au niveau du contenu formel ou du formel, mais incline plus ou moins vers la qualité dans son ancrage vécu. Daniel Charles a relevé cette hésitation dans le système sémiologique S2 de Granger, qu'on trouve dans la philosophie du style, mi-formel, mi-matériel, dit-il, qu'il commente dans un de ses écrits.
dont un écrit fiction de la postmodernité selon l'esprit de la musique. Alors c'est un des chapitres qui porte sur ce système sémiologique intermédiaire de Granger, qui n'est ni S1 ni S3, hein, ni S1, c'est-à-dire un système absolument formel, et S3 qui est plus proche, qui est plus pragmatique, plus proche du vécu. La musique place du côté de la ressource ce que le philosophe rêve généralement d'écarter, qu'il reconnaît comme inintégrable à la rationalisation. Je crois que je vais arrêter. Voilà. Je vous remercie. Merci.